Vous méritez quand même l'argent. L'Espagne, c'est super. De Suisse. France. Et comment on appelle la ville? Ok. Ok, je vous invite à vous recevoir demain dimanche. Non, c'est ce qui est votre problème. Vous voulez que moi je m'aligne à votre programme. Vous ne voulez pas m'aligner à votre programme. C'est ce qui fait que souvent il y a crash. De vous à moi. Excusez-moi, hein, c'est pas mal parlé. C'est vous qui avez besoin de moi. Ok. Donc, c'est moi qui donne le programme. Ok. Bien. Quelqu'un a fini de prêcher comme ça. Il va vous donner des soins maintenant. Ah, vous aussi. Et puis souvent, quand vous appelez, laissez appeler Monsieur Crasso. Pardonnez. Non, c'est un peu de foutaise. Quand vous appelez le prophète. Et mon secrétaire vous se plaint. Et comme on vous a donné mon numéro, la même chose se répète. Et je ne les gens pas. Vous appelez quelqu'un pour vous aider, vous commencez par Monsieur Crasso. Je lui dis, n'en pas camarade, je dis Monsieur Crasso. Même les ministres, encore du coup, m'appellent prophète. Pourquoi tu m'appelles pas prophète? Non, c'est vrai, c'est vraiment important. Le respect et la manière de communiquer peut nous aider à vous aider. Souvent, vous appelez au secrétariat, ah non, passez-moi le prophète là, hein, ou même Monsieur Crasso là. Je suis pas au camarade. Amen. C'est pas mal parlé, hein, c'est pour vous aider. D'accord? Alors, j'ai envie de faire, parce que moi, je ne sais pas chez moi à Paris. Je n'ai ni des salles. Les salles sont en location. Quand vous venez de loin, moi, je pars en Suisse. Bon, les gars de Suisse, bon, vous allez partir sur le YouTube, vous allez voir, parce que moi, je ne maîtrise pas. Vous irez voir ça sur le YouTube, vous allez voir peut-être la ville, tout ça, parce qu'à partir de lundi, nous allons commencer à communiquer sur la ville et les différentes salles que nous allons visiter en Suisse. Pour ceux qui veulent qu'on les reçoive aujourd'hui, moi je peux donner le montant précisément vers dans la soirée, précisément je peux recevoir vers 19h. Le temps que je donne, que le sommeil quitte mon corps. Ah oui, ça c'est important. Et que je mange bien. Tout ça c'est important pour attaquer des esprits. Mais je n'ai pas de ça. Il y a tout ça, il y a tout. Vous savez pourquoi je suis un peu triste? Je ne suis pas trop le nécessaire pour vous délivrer le manque. Oui, ça me manque. Je vous assure. Chez moi, parce que quand on m'appelait, on dit non. À part la soeur me disait tout est prêt, tout est fini, est prêt. Souvent, il y a nos enfants sur les études, mais je viens, il y a les réalités. Rien. Et ça m'a affecté. Mais heureusement que Dieu m'a fortifié. J'ai envie de vous aider. Parce que je sais que si je t'aide aujourd'hui, si j'apporte mon aide, tu aideras beaucoup de personnes dans ta famille, dans ta région. Amen. C'est des milliers de personnes qui sont aidées. C'est ce qui est intéressant chez nous. Chez nous, les Africains, quand on a quelque chose, on a envie de partir.